Les jumeaux découvrent le film, en fait. Ils n'avaient vu aucune image, de rien du tout. Voilà, quoi. Donc, Et alors Je remarque surtout que Trint raconte des histoires sur le Japon comme quoi il était tout seul alors que j'étais avec lui. À Tokyo, là, dans le petit resto, là, on était tous les deux. Il se garde bien de le dire. Ça fait bizarre en fait de revoir ça, c'est difficile de. C'est émouvant. C'est mortel. Merci bien. J'y pensais tout à l'heure, ce qui est vraiment génial, c'est déjà d'avoir été dans un groupe qui a fait ce que ça a fait, ce qui est vraiment super. Mais la chance, c'était de rencontrer des gens qui ont fait aussi et participé au fait que ça soit aussi génial. La chance qu'on a eu de rencontrer David, qui kiffe la vidéo et qui puisse nous permettre d'avoir ce genre de souvenir à garder pour toujours, ça c'est une valeur qu'on ne peut pas estimer, quoi. Et c'est un ensemble qui fait que c'était une aventure vraiment chouette. Et merci à David de nous permettre d'avoir des choses comme ça pour se rappeler de tout ça. Voilà. Merci, Matt. Moi, je trouve qu'ils ont. Enfin, moi, pour le coup, je suis arrivé sur l'aventure sur la fin, parce que j'ai le nom de ma société en logo, c'est cool. Mais c'est plutôt le nom de David qu'il faudrait mettre. Ce que je voulais dire simplement, c'est que bon, nous, on a vu le film, on a fait plein d'allers-retours, etc. Moi, j'ai eu énormément d'émotions, notamment à la fin. Et j'imagine même pas, en fait, ces messieurs-là, prendre la parole comme ça et d'envoyer, parce que c'était chaud. Enfin, en tout cas, moi, je voulais dire merci. Merci à vous aussi d'être là. Merci à tous ceux qui sont sur le générique du film, qui nous ont permis de le faire. Surtout, moi j'ai envie de vous dire, balancez-le, enfin, parlez-en, voilà. Et puis, j'espère que ce film, parce qu'en fait, moi ce qui m'éclate, c'est que ce film donne envie. Il donne envie de faire des films, il donne envie de faire de la musique, il donne envie d'aller voir des concerts, il donne envie de faire des badges, il donne envie de faire plein de trucs. Et ça, franchement, c'est pour moi la meilleure récompense. Et j'espère que. Il vous a donné autant envie que nous de le faire. Voilà, peut-être que David, tu veux peut-être dire un truc maintenant que c'est un peu retombé, je me suis fait un vide. Mais super, bravo. Ça va retomber. Ça retombera plus tard. Vous avez peut-être des questions, non? Ou des trucs partagés comme ça? Il y avait une question de Swan juste avant le film, qui était pourquoi diesel? Eh ben en fait c'est tout simplement c'est des économies, c'est le carburant qu'on met dans le camion et quand on fait autant de routes c'est mieux d'avoir un camion qui carbure au diesel qu'à l'essence. Tout simplement. Donc le titre est venu très tôt dans le projet, je me dis je l'appellerai diesel. Et puis en fait pendant toutes ces années, au fur et à mesure je me disais finalement mon titre provisoire qui devait s'appeler diesel, ça devenait le titre principal. Et voilà, je trouvais que ça sonnait bien après. Ouais, je sais plus, je crois que si on fait la totalité des interviews, il y en a entre 60 et 70 heures de mecs qui parlent. Donc je sais pas. L'avenir, déjà, faire le DVD, faire des bonus, des scènes coupées, il y a beaucoup de tri encore à faire. Donc non, pour le moment, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Antoine ? Parce que ils sont en tournée. Ils sont dans un autre groupe et donc il y en a trois qui il y a Tib et Jim et Ed qui jouent dans un autre groupe qui s'appelle Not Scientist et ils sont je ne sais plus où en Pologne ou enfin voilà ils sont loin. Est-ce que vous allez présenter le film dans des festivals ou Alors ça pour le moment. En fait, on organise des projections comme celle-ci à Romans. Donc, il va y avoir des projections à Tours, à Vienne et à Bourges, et à Strasbourg aussi. Et puis après, là, c'est vraiment tout frais. Donc, le film, toi, ce matin, je modifie encore quelques petits trucs avant la projection de ce soir. Donc, c'est vraiment tout frais. Mais l'idée, oui, après, c'est de démarcher, faire des festivals,
trouver un distributeur, essayer de trouver des partenaires, des chaînes de télé, enfin voilà quoi. Essayer de faire vivre le film au-delà de notre petite scène quoi. Je te remercie parce que je connaissais pas du tout ce environnement musical, je suis venu m'inviter et franchement c'était top et ça m'a donné envie de vous. Merci parce que c'est le. Secrètement c'était un but en fait pour moi dans le film, c'était de me dire. C'était un peu de casser les codes du punk, en fait, parce que bon, on a tous l'idée du mec avec sa 8-6 devant la gare, avec son chien et sa crête, quoi. Et voilà, c'était de dire, musicalement, oui, il y a des choses un peu extrêmes, comme on voit à un moment le groupe, mon autre groupe avec la fille qui hurle dans le micro, mais il y a aussi des choses musicalement très, très easy listening, comme on dit, voilà, merci. C'était un truc, si le film, si après on a envie de découvrir ces groupes, ça. C'est cool, c'est gagné quoi. J'aimerais bien vous savoir si ça vous manque. C'est une question un peu pas forcément facile. Il y a des choses on se dit qui étaient chouettes, mais après on l'a fait pendant vraiment très longtemps avec une intensité vraiment très poussée. Faire 120 concerts par an. Alors 120 concerts dans le coin c'est une chose, mais 120 concerts un peu partout dans le monde ou en Europe. On a eu des années où on dormait moins de 10 fois à la maison. Donc on a eu une bonne dose. Et ouais, il y a des fois, j'ai mon pote Vince qui a ressorti son ampli, qui commence un peu à faire du bruit. Et des fois, je me dis, ouais, je sais pas. On sait pas trop, mais on a d'autres projets. Maintenant, je tourne avec Vincent, on continue à faire beaucoup de concerts avec le groupe XTV qui joue juste après. Là. Et ça fait vachement moins de bruit. Parce qu'on est en acoustique maintenant. Mais on fait jusqu'à 80 concerts et puis... Daf a aussi, peut-être je te laisse un peu raconter un peu ton truc. Alors la question, est-ce que ça manque? Oui, évidemment ça manque. Comme ça nous manque à tous de se rappeler quand on était gamin et qu'on pouvait jeter par terre en faisant les cons sans se blesser et puis galérer pendant une semaine, forcément. Pour moi c'est encore un petit peu particulier parce que je fais plus vraiment de musique, parce que maintenant je suis technicien, toujours un petit peu dans l'événementiel, mais... Je suis plus sur scène, je suis plutôt dans l'ombre. Et donc voilà, donc oui, ça manque. Et toi, David, ça te manque de partir en tournée bientôt? Alors, de partir en tournée, non, ça me manque pas. J'aime bien aller juste des dates isolées. Genre, je pars une nuit, je reviens le lendemain, je vois ma famille, je suis content, voilà. Et alors, quand je dois partir une semaine, je suis là, ouais, ça va être dur. Ouais, ça dépend, comme le dit maman dans le film, en fait, ça dépend avec qui, ça dépend quel groupe on va voir, avec qui on va jouer, qui y aura en tournée, et est-ce qu'on va voir, enfin, je reprends ces mots, mais est-ce qu'on va croiser des copains, et du coup, tout devient plus facile quand on sait sur telle date qu'il y aura lui, il y aura lui, il y aura ce groupe, et voilà quoi. Sinon, vous avez jamais un concert raté comme ouais. Il y a même un jour, c'est une des premières tournées qu'on faisait avec Un Common From Mars. Et alors, vraie tournée, parce qu'on partait vraiment dans le sud-ouest, on avait plein de bornes et on enchaînait 4 ou 5 dates pour la première fois. Peut-être un truc dans le genre. Et on est arrivé dans un bar où le gars fêtait son anniversaire. Et on a tellement fêté son anniversaire que le lendemain, on s'est réveillé à la bourre. Et qu'on est arrivé à la date d'après, à l'heure où il fallait qu'on arrête. Donc là, on a bien foiré le concert. Là. Pourquoi ce nom Un Common Man for Mars? La vraie histoire ou... Au tout début du groupe, on a enregistré une maquette sur un poste cassette. Voilà. Et avec Daf, on était chez un copain à Agnes, je crois. Agnes. Ah tiens, faut qu'on te fasse écouter notre groupe. Alors, il écoute. Puis... Plutôt que de lui dire c'est de la merde, il nous a dit c'est peu commun comme venu, le truc là. Et du coup c'est parti de Uncommon et puis après ça a évolué à Uncommon Man from Mars. Voilà. Ça veut dire quoi? Parce que c'était pas terrible alors. Peu commun c'était mieux que pas terrible. Le truc c'est que avoir un groupe qui s'appelle Peu commun c'était un peu présomptueux. Aussi. Donc on s'est dit en rajoutant les gens peu communs mais de Mars. Déjà, ça nous correspondait un petit peu, parce que vu qu'on est né aux États-Unis, on a grandi là-bas, donc tout le temps qu'on a grandi aux États-Unis, on était les petits Français, et puis quand on est arrivé en France, du coup, on est devenus les petits Américains.
Donc on était toujours les gens qui n'étaient pas vraiment à leur place, et du coup le coup de s'appeler les gens qui venaient de Mars, ça correspondait à peu près à tout ça. Tu peux leur raconter l'anecdote de l'aire d'autoroute? C'est mon anecdote préférée de toute la vie. En fait, il y a... Je crois... Non, j'y étais pas, mais tu me l'as tellement raconté que... Ça... En fait, donc ils étaient en tournée, et je crois qu'ils se foutaient de la gueule d'un groupe, qui, un groupe de reggae, qui avait oublié leur batteur sur une aire d'autoroute. Et tout le monde, Daf dormait dans le camion, c'est ça. Tout le monde se lève pour aller café, club, pipi, caca, voilà. Puis en fait, je crois qu'ils se sont loupés, ils sont revenus dans le camion, et toi, entre-temps, t'es sorti. Pareil, je suis sorti du coup pareil pour faire ce qu'on peut pas faire dans le camion. Et puis en ressortant de l'aire d'autoroute, j'étais tout seul. Et puis l'endroit où le camion était garé était plus là. Donc moi je suis spécialiste de ce genre de blague, donc je me suis dit bon bah super, c'est l'arroseur arrosé, ils m'ont bien eu. En fait ils sont sûrement garés au fond de la station, donc j'ai fait le tour de la station. Faut pas de camion. Non, ils sont quand même drôlement bien cachés. J'appelle du coup Jim au téléphone. Et je lui dis, ok, super la blague, où est-ce que vous êtes garé? Parce que bon, là, c'est bon. Et là, j'entends, mais comment ça? Il se tourne. Et puis j'entends, oh putain, les gars! Et il raccroche. C'est son auto, je dis, mais raccroche-le, ils m'ont oublié, en plus ils me raccrochent pas. Sauf que j'étais un petit peu énervé. Et puis le temps qu'ils. Forcément, ils étaient partis sur l'autoroute, donc il fallait prendre une sortie, un demi-tour, repartir, mais après, pour pouvoir revenir, pour. Donc ça a duré, je sais pas, peut-être une bonne heure et demie, j'attendais, et puis entre temps, j'appelais tous mes potes pour leur raconter. Et puis voilà, donc c'est l'anecdote, comme quoi ça arrive même... Enfin, nous, ça nous est arrivé, au moins une fois. Perdu dans mes rêves d'enfant, c'est pas que je refuse de grandir.